trois solutions naturelles maison pour soulager les fissures anales. Les fissures anales sont un problème ennuyeux et douloureux dont beaucoup de personnes souffrent en silence. Il peut s'agir d'un événement unique ou d'un trouble chronique qui devrait être traité le plus tôt possible afin d'éviter des saignements majeurs et de réguler les selles. Dans cet article, nous partageons avec vous les meilleures solutions naturelles pour soulager les fissures anales. De cette façon, vous pouvez les prévenir et les traiter avec des remèdes maison tels que l'eau froide, l'aloe vera, l'huile de coco ou le calendula. Que sont les fissures anales? Les fissures anales sont de petites déchirures dans la muqueuse qui tapisse l'anus. La cause principale est l'évacuation des selles dures et volumineuses, caractéristiques de la constipation. Il s'agit d'un problème très douloureux qui peut entraîner des saignements et des cicatrisations difficiles. Le traitement des fissures anales, par conséquent, doit avoir deux approches. Réguler le transit intestinal et faciliter l'hydratation et l'expulsion des selles afin qu'elles n'aggravent pas les fissures. Appliquer des remèdes topiques locaux pour soulager la douleur et favoriser la guérison dès que possible. Comment réguler la fonction intestinale? Si vous souffrez de troubles intestinaux, vous devez savoir que vous ne trouverez pas la solution dans un médicament. Même les remèdes naturels n'offrent généralement pas de résultats à long terme, mais plutôt des effets rapides pour atténuer le problème. La solution à long terme est de revoir votre alimentation et vos habitudes quotidiennes. La base de votre alimentation doit être constituée de fruits et légumes, crus et cuits, en jus, en smoothie, dans des salades, sautés, etc. Ils doivent être présents à chaque repas de la journée. Autant que possible, préférez les aliments complets, non raffinés, céréales, farine, pâtes, etc. En consommant beaucoup de fibres, votre corps aura besoin d'eau pour l'absorber. Vous devriez boire au moins 2 litres d'eau par jour en dehors des repas. Les légumineuses, les fruits secs et les graines doivent avoir leur place dans vos menus hebdomadaires. La pratique d'un sport 2 ou 3 fois par semaine et la lutte contre la sédentarité sont importantes. Surtout si vous passez beaucoup d'heures sans bouger chaque jour. Le stress et les troubles nerveux doivent être combattus. Des solutions naturelles pour les fissures anales. 1. Eau froide. Si vous souffrez de fissures anales, vous aurez besoin d'un soulagement immédiat de la douleur et des démangeaisons à de nombreux moments inattendus. Même si cela ne vous offre pas de réel remède, l'eau froide vous aidera à calmer l'inconfort immédiatement. Cependant, vous devrez le combiner avec les traitements ultérieurs. L'eau froide doit être appliquée directement sur la zone affectée. La chose la plus confortable à faire est dans la douche ou dans un bidet. Cependant, si ce n'est pas possible, nous pouvons aussi utiliser une petite serviette et l'humidifier dans un récipient avec de l'eau froide, puis l'appliquer pendant quelques instants. De plus, les personnes ayant des fissures anales devraient éviter d'utiliser du papier hygiénique conventionnel, ce qui cause et aggrave souvent ce problème. Ils peuvent utiliser des lingettes humides ou, comme dans de nombreux pays, se laver dans le bidet. 2. Huile végétale nutritive.
L'eau froide est idéale pour apaiser l'inconfort sur le moment. Cependant, pour prévenir ou traiter les fissures anales, nous devons hydrater et protéger cette zone sensible du corps. Et pour cela, utilisez des produits naturels. De cette façon, vous éviterez d'appliquer des produits chimiques qui pourraient en fait vous nuire. La façon la plus simple et la plus efficace pour y parvenir est d'utiliser des huiles végétales. Elles nourrissent la muqueuse en profondeur et lui donnent de l'élasticité pour éviter de nouvelles fissures. Les plus appropriées sont l'huile d'amande, de germe de blé et d'olive. Vous pouvez aussi ajouter un peu d'huile essentielle de cyprès pour favoriser une bonne circulation. 3. Remède cicatrisant contre les fissures anales. En plus de nourrir la peau, nous pouvons aussi préparer un remède maison pour aider à accélérer la guérison. Il doit avoir des propriétés cicatrisantes et régénératrices pour fermer la fissure le plus rapidement possible. En même temps, celui que nous proposons est aussi un remède anti-inflammatoire, nourrissant et apaisant. Ingrédients. Deux cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 30 g. 1 cuillère à soupe d'huile de rose musquée, 15 ml. Vous pouvez préparer du gel d'aloe vera naturel si vous l'extrayez de l'intérieur de la tige de la plante. Dans ce cas, il faut l'utiliser tout de suite. Sinon, vous pouvez acheter du gel le plus pur possible. Préparation et mise en suivre. Mélangez le gel d'aloès avec l'huile de rose musquée. Appliquez sur la zone affectée plusieurs fois par jour et toujours après la douche.